Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens, inspire. Inspire ce rouard de Dieu. Ça doit te toucher de l'intérieur et de l'extérieur. Inspire. Toute bouffée d'air que tu prends, c'est tu es bienvenu, Saint-Esprit. Tu es bienvenu, Saint-Esprit, ici. Je sais comme le Saint-Esprit voudrait que ici il y ait une zone où il n'y a pas de douleur, qu'on arrive à un niveau où il n'y a plus aucune douleur, de blessures ou d'autres choses qui peuvent rester ici. Tu dois arriver au niveau où que ton esprit se sente bien, que ton âme puisse couper de tout. Inspire encore profondément. Ton esprit doit apprendre à respirer. Ton esprit doit se sentir à l'aise. Les douleurs de ton âme n'ont jamais le droit de t'empêcher à monter dans l'esprit. La douleur de ton âme n'a pas le droit de s'opposer à ce que tu entends la voix de Dieu, que tu puisses rencontrer ton Dieu. Laisse un moment ton esprit se détendre. Où ton esprit se détend tout simplement. Où il se détend. Il y a un niveau où tout est dans l'esprit, où il y a aussi de la musique dans l'esprit, où tu peux entendre dans l'esprit, où tu peux sentir dans l'esprit, où tu peux marcher dans l'esprit, prier dans l'esprit. Écoute, c'est comme si le Saint-Esprit appelait des gens au travers de ce violon. Apprends à écouter Dieu. Ces sons, cette musique, ces notes, Dieu t'appelle à venir dans sa présence. Et tu entends maintenant comme Dieu t'appelle dans ce son, dans cette mélodie. Alors marche maintenant quelques pas vers le violon. C'est comme si je voulais venir plus près de toi. J'entends ton appel.
Bonjour à tous. Est-ce que vous croyez que Dieu peut parler au travers de la musique? Est-ce que Dieu peut parler au travers d'instruments de musique? Dieu peut appeler, Dieu peut guérir au travers de la musique, au travers des instruments. Quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit et qu'on ne fait pas juste notre programme, une fois j'étais à une conférence en Belgique et j'avais l'impression que Dieu voulait parler au travers de la batterie. Et c'était la première fois que j'étais là-bas. Je ne connaissais pas le batteur, mais je voyais que l'onction était posée sur lui. Et je disais, je crois que Dieu veut parler au travers de ta batterie. Va voir à ta batterie et joue simplement librement. La main de Dieu est venue sur lui. Et je peux te dire, il a commencé à jouer. Et après un moment, presque la majeure partie des gens étaient à genoux par terre parce qu'ils sentaient que Dieu parlait avec eux. Ils sentaient vraiment que Dieu parlait avec eux au travers de la batterie. Il y a un niveau de l'esprit où Dieu, on peut l'entendre dans différentes choses. Quand on coupe avec notre âme, quelqu'un m'a demandé à quoi ressemble notre âme. Alors je dis, mon âme parfois ressemble à, vous savez, à l'époque, ces attrape-mouches qui sont en hauteur, qui sont longs, où les mouches s'accrochent. Comme ça, notre âme, est, tu entends quelque chose et tout d'un coup, ça colle à toi. Et quand ton attrape-mouche est plein, alors c'est difficile d'entendre Dieu. Et je crois que c'est important, quand on est ensemble comme ça plusieurs jours, que notre âme se repose, qu'elle se déconnecte. Alors, on vient dans ce niveau de l'esprit où le Saint-Esprit nous fait rentrer dans des endroits où je peux dire que ce n'est pas écrit dans des livres, mais seulement le Saint-Esprit peut nous emmener là. Et ça, je trouve beau parce que ce n'est pas du programme, mais c'est quelque chose qui est fait par le Saint-Esprit. Et j'aime avoir des intercesseurs, parce que normalement, ce sont des gens, des prieurs, des gens qui prient, qui ont appris à se déconnecter de leur âme pour servir. Quand je suis dans un culte de guérison, j'aime aussi servir les gens avec la guérison, mais parfois c'est des gens où leur âme a été tellement maltraitée et leur âme crie « j'aimerais être guérie, j'aimerais être guérie » et ils n'entendent plus le Saint-Esprit parce que leur âme crie tellement fort. Et c'est pour ça, pour moi c'est vraiment un honneur d'être en communion avec l'armée de prière, avec des gens qui disent on veut bâtir le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de nous, mais d'enlever nos attrape-mouches, les mettre de côté, et on est prêt à être dans l'esprit. Je peux te dire, c'est un tout autre niveau. Et c'est ce que moi je souhaite plus que toute autre chose. Pour moi, il y a deux catégories de chrétiens, les sensibles et les insensibles. Les insensibles sont parfois comme des éléphants dans une cristallerie, vous en connaissez aussi. Et il y a des chrétiens sensibles aussi pour le Saint-Esprit. Et ça fait plus plaisir de passer du temps avec des gens sensibles. Je me réjouis d'être là ce matin et j'avais l'impression... Hier, donc, je me suis entretenue avec Thierry Kopp. Quand je le vois deux, trois fois par an, qu'on ait des échanges, je me réjouis. Il y a un canal, une chaîne qui s'appelle sans doute Supernaturel et c'est spécialisé sur cette chaîne TV où des hommes et des femmes de Dieu, souvent des gens connus, ont des révélations surnaturelles où ils étaient au ciel avec des anges et d'autres choses. C'est très intéressant de voir parce que hier, quelqu'un a raconté, Dieu lui a dit d'aller en Israël. Mais il ne pouvait pas aller parce que les frontières sont fermées et tout. Et Dieu lui a dit, va à l'aéroport. Et il disait, Seigneur, tu sais, donc je ne peux pas voler. Et il dit, va à l'aéroport. Il va à l'aéroport et il ouvre la porte et il était en Israël. Tu comprends? Là-bas, il a rencontré des gens, il a servi, fait son ministère. Il est temps
où l'esprit s'ouvre et on peut aller dans d'autres niveaux. Et quand on entend des choses comme ça, il y a dans mon cœur ce cri parce que j'ai vu certaines choses et il y a plus et je voudrais avoir plus. Et de l'autre côté, et c'est quoi que c'est important, Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Parfois, on peut entendre des histoires, des livres, « Ouah, ça, j'aimerais l'avoir. » Mais est-ce que ce n'est pas plus important? Qu'est-ce que toi, tu as prévu pour moi? Et je sens, comme ça, je racontais à Thierry, tu sais, il y a tellement de choses où je sais que ça va venir, on a soif de ça, mais je sens en ce moment dans mon esprit que Dieu m'a dit plusieurs fois, c'est là, c'est ton travail à préparer les gens pour l'armée de prière. C'est ton job maintenant d'appeler les gens, de les préparer pour qu'on libère des pays, des villes, pour qu'on aille dans un autre niveau, au niveau de la prière. Ce matin, il y avait cette pensée très forte dans mon cœur. Et ce matin, j'aimerais vous donner aux intercesseurs quelque chose. Comment est-ce qu'on prie dans les temps arides? J'aimerais vous dire tout de suite, on va peut-être ici cette semaine avoir des super temps de prière, parce que c'est tellement facile, mais tu vas de nouveau rentrer chez toi. Et j'espère que si tu rentres chez toi, que tu continues. Que tu dis pas oui, mais deux fois dans l'an, je vais à une conférence de prière, c'est vraiment super, et le reste, on prie normal. Non, je crois que l'intercession, c'est un appel qu'on fait toute l'année. Amen. Et je crois que ça, c'est mon souhait. Les gens qui reçoivent ici, qui sont en communion, c'est vraiment bien. Mais mon plus grand souhait, c'est que quand tu pars d'ici, que tu continues chez toi. Si je ne te revois plus jamais, alors j'aimerais te dire, tu continues à intercéder, alors je me réjouis. Ça, c'est le désir de mon cœur. Ce matin, j'aimerais amener un message. Il va y avoir des temps très arides, il y a des temps de pluie, mais il y a aussi des temps de sécheresse. Quand tu prends un arbre ou une forêt, quand il pleut, alors l'arbre est heureux. Il y a de l'eau qui vient. Mais qu'est-ce qui se passe avec une forêt quand 3 semaines, il n'a pas plu, 4 semaines, pas plu? Tu crois que l'arbre est heureux? Alors, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ses racines descendent très profondément dans la terre jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Et dans le temps de sécheresse, pour un arbre, c'est presque plus important que dans le temps de pluie. Et je veux comparer, quand tu vas à une conférence, tu viens ici, ça va être un temps de pluie pour toi. Il va y avoir pluie, c'est agréable. On a une belle louange, des choses prophétiques. On est entre nous. Il y a une bonne atmosphère. Et ça, je veux dire, c'est une pluie spirituelle. Et c'est bon qu'il pleut. Mais que tu vas rentrer à la maison, moi je vais rentrer chez moi, il va y avoir des temps de sécheresse. Et ceux-là, on ne les aime pas. C'est juste pour vous remémorer qu'est-ce qui s'est passé chez Jésus après son baptême. C'était le désert. 40 jours de désert pour tester est-ce que sa foi va résister. 40 jours résister avec le diable. Tu sais, c'est tellement important qu'on apprenne. Toi, tu vas être formé par Dieu et Dieu va autoriser que tu vas aller dans des temps d'aridité, de sécheresse. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un psaume. Je le parle psaume de la mort. Je lis quelques versets. Vous connaissez sans doute tous le psaume 22, celui qui est avant le bon berger. Je vous lis juste quelques versets. David prie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas, la nuit je n'ai pas de repos. Je trouve ces phrases terribles et bonnes à la fois. Tu vas prier, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Tu vas prier, tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu vas prier et tu te sens vide, isolé. Et la nuit, parfois, tu ne peux plus dormir. Vous connaissez ça? La nuit où tu ne te sens pas bien, il y a peut-être des agressions démoniaques et tu pries, rien ne se fait, rien ne bouge. David, qu'est-ce qu'il fait? David, c'est quelqu'un qui se bat. David, il sait très bien comment
On rencontre de nouveau Dieu. Et alors il commence à proclamer, « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi confiaient nos pères et ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. » Il commence à proclamer. Ça se donne la foi et ça aide à proclamer tout ce que Dieu a fait de bon dans nos vies. Et le résultat, verset 7, « Mais moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. » David est au point où il proclame, ça ne rapporte rien. Il dit, je suis un ver. À quel point tu dois arriver que tu es roi, le meilleur roi, les plus beaux habits, une couronne, et tu dis, je me sens comme un ver. Un roi ne peut pas se sentir comme un ver, tu comprends, il a des gens autour de lui, il a le pouvoir, une couronne, un château, l'argent, et alors il dit, je me sens comme un ver, malgré qu'il a proclamé. Il y a des temps, tu peux avoir des principes spirituels à les appliquer, mais ils ne marchent pas. Peut-être que tu as eu des prédications et tu commences à proclamer, tu es roi, tu es ressuscité, tu es seigneur, et ça marche presque toujours, mais que presque. Et tu vas avoir vivre des temps en tant qu'intercesseur, tout ce que tu as appris, tu vas l'appliquer et tu vas sauter, faire n'importe quoi, danser. Et rien ne va fonctionner. Qu'est-ce que tu fais alors après? Alors j'aimerais te donner un secret. Si tu vis ces temps tellement graves, il faut que tu saches, tes racines spirituelles vont grandir jusqu'à ce que tu vas arriver à l'eau. Tu sais, un arbre qui a des racines très profondes, une tempête peut venir, il ne va pas tomber. L'autre fois, j'ai vu un reportage, c'était intéressant. Quand une tempête vient, la tempête peut renverser toute une forêt. Quand une tempête vient, peut renverser la forêt. S'il renverse les premiers arbres, toute la forêt tombe. Vous savez pourquoi? Parce que les premiers arbres, c'est ceux qui ont les racines les plus profondes. Parce qu'eux ont du vent toujours contre eux, du contre-vent. Et quand les premiers arbres tombent, tous les arbres après autour tombe, et je crois dans l'Église, il faut qu'il y ait des gens qui aient ces racines très profondes, c'est une protection pour les autres. Quand tout va bien, quand l'onction est là, tout le monde peut crier Alléluia, tout le monde peut danser, tout possible, mais quand je vais mal, quand il n'y a plus de culte à cause de COVID, quand les gens sont séparés à cause de vaccins, non-vaccins, quand il y a des disputes, comment sont tes racines? Est-ce qu'elles sont profondes? Ou est-ce que c'est comme tes feuilles? Que dit celui-là, celui-là, celui-là? Non, tu as des racines profondes, des racines de prière. Et laisse, autorise que ces temps de sécheresse arrivent pour que tes racines deviennent très profondes. Et il commençait à proclamer encore, il y a plein de choses, ça devient pire, plus il proclame, plus il se remémore ce qu'il a fait de bon, il commence à avoir des visions, il a des hallucinations, beaucoup de taureaux m'ont entouré de Baham. Ils ouvrent leur bouche comme moi, leur gueule semblable au lion qui déchire un ruisseau, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Alors, il y a des choses qu'il voit autour de lui, il ne comprend pas, comme des bêtes sont là. Vous savez ce qu'il voit? Il voit des démons, des puissances. Et ça peut arriver au point que tu pries, que tu proclames, que tu jeûnes, que tu fais plein de choses, et tout d'un coup, la réalité démoniaque devient de plus en plus forte. C'est une très belle prédication, hein? Tu es vraiment encouragé ce matin, hein? Et je te dis, tu vas vivre ça, où des temps vont arriver, où tu es tellement sous pression que tu sens la nuit dans ta chambre, dans, là où tu pries, où il y a des puissances démoniaques qui te regardent, et ça c'est une réalité. Quand un intercesseur dit, tu ne crois pas, alors tu n'as pas de notion peut-être que tu es un bébé chrétien, Dieu t'a protégé. Plus tu vas dans la prière, plus tu vas voir que des puissances démoniaques sont autour de toi. Tu le vas voir comme ils vont te regarder quand tu es faible, quand tu es malade. Tu vas voir que ces puissances démoniaques vont devenir fortes.
Qu'est-ce que tu fais quand tu ne vas pas bien et tu sens ces puissances démoniaques? On appelle Martine, ça, là on est sûr. Jour et nuit, je vous donne le numéro de téléphone. J'espère que ton répondeur est cassé alors. Au ciel, tu peux assez dormir, Martine. Ça, c'est pas de Dieu maintenant, hein? Ça, c'est pas de Dieu. Tu sais, il y a ces temps où tu es malade, tu vas pas bien, tu as un intercesseur, tu as aidé aux autres et c'est de pire en pire. Et alors, tu sens ces puissances démoniaques autour de toi. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça, c'est les moments où tes racines peuvent pousser, grandir. J'aime ces mots de David. Malgré cela, je reste debout. Et je peux te dire, je connais aucun prophète, aucun, qui n'a pas vécu ces choses terribles. J'en connais aucun. Où tu penses, personne ne te comprend. Les gens dans l'église pensent, oui, peut-être c'est la punition de Dieu. Moi, je l'ai vécu, où un de mes enfants, Lydie, elle avait 5 ans, j'étais en train de déménager, elle avait une méningite, elle était à l'hôpital, les médecins, elle était déjà dans le coma, et les médecins ont dit, ils ne savent pas s'ils vont survivre, et si la nuit, elle meurt, et ils nous envoient les policiers pour nous dire qu'elle est décédée. Et dans ce moment-là, il y a une femme qui était dans notre église, elle a appelé les anciens, il a dit il faut qu'on jette Pierrot dehors parce qu'il est désobéissant et c'est la punition de Dieu pour lui. Tu crois qu'on se sent bien alors? Tu comprends? Qu'on ait des temps, qu'on vit des temps où tout est contre. Ton enfant est en train de mourir, ses pensées de mort. Un jour j'ai jeûné et je ne pouvais plus enlever mes pensées. Qu'est-ce que tu fais avec ses habits, ses jouets, avec sa chambre? Toute la journée, tu penses, ces pensées de mort sont là et ne s'enlèvent pas. Ça ne sort pas de ta tête. Et alors, il y a des gens qui, dans ton dos, veulent te jeter dehors, qui vont contre toi et racontent, c'est la punition de Dieu. Et tu as l'impression que tout est contre toi, tout. Tu sais, et ça, c'est ces temps où tes racines spirituelles en tant qu'intercesseur se rallongent. Peu importe, Seigneur, ce qui se passe, moi, je vais te servir. Peu importe ce qui se passe, je vais toujours t'aimer. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et je sens que la mort, tout, je sais tout ce qui se passe, mais ce n'est pas intéressant. Seigneur, et même s'il me jette dehors, et si mon enfant meurt, il va mourir, mais c'est parce que toi, tu es mon Dieu. Ça, c'est les moments où tes racines grandissent. Et alors, plus tard, les tempêtes peuvent venir, mais toi, tu restes debout. Quand des intercesseurs n'ont pas vécu ces temps de sécheresse, où tout va contre toi, alors les racines ne grandissent pas. Il faut qu'elles grandissent. Et je crois que c'est presque mieux quand ces temps de sécheresse, que tu les acceptes et que tu ne te bats pas contre. Moi, je ne les aime pas, ces temps-là, ces temps de désert. Mais quand ils viennent, quand les agressions sont là, ces attaques, je dis « Dieu, j'accepte ». Parfois, j'ai déjà vécu, où tout d'un coup, j'étais malade. J'avais vraiment de la fièvre, une grippe, une vraie, et j'allais pas bien, j'aimais pas être malade, j'aime pas du tout ça. Et tout d'un coup, t'es couché là, tu peux presque plus te lever, et d'abord tu te bats et tout possible. Et alors j'ai vécu parfois, comme je disais, ok Dieu, j'accepte, si tu veux me mettre malade maintenant, ben je suis malade, si tu veux que je meure, alors ok, je meurs, ok. Et tu sais, ça c'est les moments où c'est quelqu'un tourne un bouton. Où j'ai vécu aussi, Dieu dit, tu n'avais pas le temps, maintenant tu as le temps pour moi. Ok Seigneur, j'accepte. Et je sentais quand j'accepte, combien ça passe vite alors. Si tu te bats contre Dieu, ce que Dieu a prévu, tu te bats pour rien. Moi j'aimerais vous dire, vous allez avoir des temps de sécheresse, tous. Mais vous allez avoir des racines. Et ces temps de sécheresse sont souvent une plus grande bénédiction que ces temps de Alléluia.
Et ce matin, j'aimerais vous donner ceci. Tu vas avoir, vivre ces temps et alors tu vas être comme David. Malgré cela, je reste debout. Je suis critiqué, je suis rejeté et tout, plein de choses. Mais Dieu, j'accepte, c'est OK. C'est OK, toi, tu es mon Dieu. Et ma foi va descendre, mes racines vont descendre très profond. En ce moment, en Allemagne, on a un manque d'eau, on avait un manque d'eau. Et j'ai entendu dans certaines régions, il y a des forêts où il manque 2 mètres d'eau. Et 2 mètres, c'est sec, mais les racines se sont prolongées jusqu'à atteindre l'eau. Et ça, c'est bon comme ça. Et dans ces temps terribles que David passait, où le roi devient un ver, où il voit les puissances démoniaques, où il sent les oppressions, il y a quelque chose qui se passe tout d'un coup. Alors, il a une vision. Vous savez quelle est la vision? La première personne qui voit dans toute la Bible, il voit la croix de Jésus. Il voit comme ils ont vendu aux enchères le manteau, ils ont vu ses mains percées. D'abord, il a une révélation, il pensait d'abord qu'il allait mourir. Non, mais ça, c'est le Messie, c'est Jésus, le Sauveur, il le voit. Et il fait quelque chose de fantastique. Il écrit tout de suite le psaume 23. L'Éternel est mon berger, rien ne me manquera. Mais d'abord, il faut qu'il passe par cette mort. Il faut que ses racines deviennent très profondes pour avoir la révélation. Et David, et alors, dans le psaume 22, le psaume de mort, il est devenu prophète. Être prophète, ça ne vient pas que quelqu'un te met les mains dessus et prophétise, tu deviens grand prophète. Non, non, c'est pas comme ça. Un prophète peut juste confirmer ce qu'est la volonté de Dieu. Mais un prophète ne te fait pas en tant que prophète, mais Dieu fait ça. Dieu fait ça souvent au travers de ses temps de sécheresse. Je connais aucun prophète, et sans doute dans ces 20, 30 ans, j'ai sans doute vécu, où j'en ai rencontré aucun qui n'ait jamais vécu ces temps de sécheresse si terribles, où tu es traité de mal injuste. Et tu dis, toi, tu es un Dieu de justice, montre donc que j'ai raison, sois de mon côté. Et Dieu dit, non. Mais Dieu, c'est donc pas juste, tu m'aimes donc. Mais oui, oui. Mais moi, je te laisse un moment dans ce désert. Tu sais, quand tu vois l'image de la forêt, de l'arbre, il y a des conférences, il y a l'onction, et alors il pleut. Ça, c'est l'image de la pluie. J'envoie la pluie, ça, c'est l'onction. Oui, c'est bon, ça fait du bien. Et ça, on a besoin de temps en temps. Mais l'arbre ne reçoit pas de racines profondes par la pluie, mais par la sécheresse. Et on a besoin de deux choses. Une fois la pluie, mais aussi c'est cette sécheresse pour que ses racines descendent profondes. Quand on va bien, quand l'Église est loin, quand l'Église, Jésus, les conférences sont méga loin, alors c'est très simple d'être chrétien. C'est juste ça. Aujourd'hui, on fait des évangélisations. C'est tellement bien fait. On a les super musiciens. On a des lasers. On a même des machines à fumer. On a tout. On est devenus des professionnels. On fait des atmosphères fantastiques. On fait des appels et les jeunes courent devant. Waouh! Et je veux apprendre à connaître ce Jésus avec cette super musique aussi bien que le monde. Alors, ils sont tous là. Ils veulent prendre Jésus, accepter Jésus. Dans la pluie, beaucoup veulent Jésus. Comment c'est la semaine d'après, quand il y a une tempête, quand les parents disent, si tu continues à raconter de Jésus, on te fout dehors, quand tes amis ne te veulent plus. Alors tu ne sens plus cette belle atmosphère, mais tu sens ces attaques démoniaques. Et tout d'un coup, la majorité qui se sont convertis dans ces atmosphères-là, on ne les voit plus. J'avais entendu un reportage d'Amérique, un pasteur, il disait, quand les gens se convertissent, 90% d'entre 2 ans après, on ne les voit plus. C'est triste, là. Et alors, il y a des évangélistes, ils convertissent des milliers de personnes,
Et le pasteur dit, il a tellement discuté avec Dieu. Pourquoi ? Et Dieu disait, tu sais, ils sont dans une belle atmosphère, ils ont pris une décision, mais ils n'ont pas une révélation de Jésus. On a besoin d'une révélation. Tu comprends ce que c'est une révélation ? C'est une savoir surnaturel dans ton cœur. Et ça, on le reçoit souvent dans le désert. Tu sais, quand tu es sur des conférences ou dans des highlights où, t'as des, où le Saint-Esprit est là et les gens tombent et d'autres crient, c'est tellement super. Et alors, tu vois quelque chose qui renforce ta foi, mais ce n'est pas une révélation. Souvent, ça se passe tout seul. Ça, c'est une révélation de Jésus pour ta vie dans la prière, tout au fond de toi. Et cette révélation fait que tu as des racines très profondes, que tu es un âme qui rapporte des fruits et qui a des racines profondes. Ce n'est pas un message qui entourage les gens, mais c'est quelque chose de prophétique pour ta vie. Tu vas vivre, ou peut-être les derniers temps tu as vécu, où tu as eu du contre-courant, du contre-vent, de temps de sécheresse. Peut-être que tu es dans un groupe de maison, une église, ou peut-être tu es même seul et tout est tellement sec, et peut-être tu as la Bible, et certains jours même dans la Bible c'est tellement sec. Je te dis, attends-toi à l'Éternel, ne n'abandonne pas. C'est le temps où tes racines grandissent. Et si tu t'attends à Dieu, à chaque fois, il y a une onction prophétique qui vient sur ta vie. Si tu n'abandonnes pas, tu vas avoir une onction prophétique sur ta vie. Parfois, on est tellement charismatique, enthousiaste, alléluia, et c'est tellement super tout, et tout ce qui est collectif, mais cet enthousiasme collectif, cette pluie, ça n'a rien à voir avec des racines. Dieu parfois m'a parfois humilié dans ces situations. Tu sais, moi aussi je suis quelqu'un, je me laisse enthousiasmer de ce que Dieu fait, que Dieu fait les miracles. Et un jour j'étais à Ladenburg, un médecin m'avait emmené chez deux vieilles dames. Elles étaient les deux plus de 80 ans dans l'église officielle, mais ces deux femmes, elles avaient des racines très profondes. Et en tant que nouveau pasteur, je voulais raconter tout ce qui se passait dans l'église libre. Alors, les dames disaient, oui, on connaît Dieu, comment est-ce qu'on peut apprendre à connaître Dieu dans l'église officielle ? Alors, elles disaient, tu sais, nous, on a vécu la guerre. Et il y avait des temps, on n'avait pas d'argent, on n'avait plus rien du tout, on serait mort de faim. Alors, on a pendant 10 jours, on n'avait rien d'autre, rien, on n'avait pas d'argent, rien pas à manger. On avait un petit croûton de pain, on l'a posé sur la table, nous deux. On a pris, Seigneur, bénis ce pain. Tous les jours, on a pris quelques miettes, on a mangé, et pendant 10 jours, on n'avait pas faim. Waouh! Et tu sais, moi j'étais là, ça c'est donc pas possible, l'église officielle, vieille dame, aucune notion. Et tu sais, Elsa, elle avait des racines très profondes et je pensais, waouh, elles connaissent leur Dieu. Ça ne vient pas combien enthousiaste on est, mais combien les racines de la prière sont. Je sais, ça sonne un peu fou. J'ai aussi vécu comme certains chrétiens ont vécu et ont prié. Si j'ai besoin de désert, appelle-moi, j'y vais, je l'accepte. J'accepte d'être humilié, j'accepte d'être poursuivi, persécuté, d'être seul. Je veux apprendre à connaître, je veux plus te connaître, plus profondément. Et alors il y a ces temps où ces racines viennent. Et quand Jésus est sorti de ses 40 jours de désert, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a des anges qui sont venus pour le servir. Les anges ne sont pas venus et ont fait de la cure d'homme avec lui les premiers jours. Ils l'ont laissé seul 40 jours. Et je peux te dire, moi je connais des temps de sécheresse, mais je connais aussi où des temps où les anges sont venus m'ont servi, sinon je ne serais pas là. Et je peux te dire, quand tu acceptes le désert, où tes racines deviennent très profondes, tu vas apprendre à connaître le prophétique et que des anges viennent pour te servir. Ils viennent même dans ta maison. Et dans la Bible, il est écrit que beaucoup de gens
rencontre des anges et ils ne le savaient même pas. Je crois qu'on vit dans ce temps où Dieu appelle des intercesseurs prophétiques avec des racines très, très profondes qui sont capables de protéger toute une forêt parce qu'ils se mettent debout. Ils savent très bien, dans ton groupe de maison, ta famille, il y a beaucoup de gens, des chrétiens, mais ils n'ont pas de racines. Et toi, dans la prière, tu te mets là debout. Tu dis, c'est donc pas encore des gens qui ont une grande foi, mais moi, je veux être une protection pour eux, je prie pour eux. J'ai appris quelque chose en tant que pasteur, quand parfois dans l'église ou ici, quelqu'un d'âgé meurt, qui était un intercesseur, alors l'église est toujours en danger. Tu sais, quand tu as un arbre comme ça, peut-être que c'est une grand-mère que personne ne voyait vraiment. Moi, je sais, elle, à la maison, elle priait pour l'église. Elle prie pour moi. Elle prie pour mes enfants. Elle prie pour moi, ma santé, pour moi. Et le Seigneur la cherche parce qu'il est temps de la chercher. Alors, il y a un vide à son endroit. Alors, je prie toujours, Seigneur, envoie quelqu'un. Envoie quelqu'un qui se met comme ça au bord de la forêt et qui nous protège. Peut-être, toi, tu es quelqu'un comme ça, qui quelque part, il y a une forêt. Et l'église, c'est comme une forêt. L'enthousiasme est là. Quand un vent, tout le monde va tomber. Je me demande avec ce Covid, combien de chrétiens en Suisse, en Allemagne sont tombés. Où ils ne savaient plus ce qui était juste, où il y a des prédicateurs qui sont pour, d'autres contre, les chrétiens ne comprennent plus et perdent leur foi, où sont les intercesseurs qui s'enlèvent de ces disputes et prient pour le royaume de Dieu. Ceux qui ont des racines profondes, qui ne vont pas dans des discussions, dans des disputes, et de dire, Seigneur, je prends du temps, je prie la protection de l'Église. Pour ces gens nouveaux convertis qui n'ont pas encore de grandes racines, je veux être une protection pour tous ces gens-là. Pas chaque chrétien va un jour avoir un micro ou être sous les projecteurs. Mais Dieu appelle des gens en tant qu'intercesseurs. Mais moi, je peux te dire, le jour où on est en haut, il y a des grands prédicateurs, ils vont être tout petits. Et de petits prieurs là en haut, des intercesseurs vont être tout grands là en haut. L'important est ce que Dieu appelle à te faire, de le faire. La présence de Dieu est là. Ton âme est tout calme maintenant. Et je crois que Dieu voudrait toucher ton esprit ce matin. Les pasteurs, le mot pasteur veut dire berger des âmes. Les pasteurs prêchent pour ton âme et c'est bon comme ça. Les prophètes prêchent pour ton esprit. Ça, c'est la différence. Certains chrétiens ne connaissent pas, ils n'entendent que des prédications pour l'âme. Dieu t'aime, tu guéris. Et alors, ils sont surpris que des prophètes ou des apôtres prêche pour ton esprit. Et s'il est temps que les chrétiens commencent à grandir dans l'esprit, que ces racines prophétiques deviennent profondes, qu'elles aillent jusque dans cette eau du réveil. Les réveils, c'est souvent quelque chose qui se fait où tu voyais rien de visible, où le péché était là, où l'incroyance était là, où il n'y avait plus de foi, où il y avait des batailles religieuses, où le démoniaque et l'occulte a grandi. Il y a des gens qui avaient des racines très, très, très profondes et eux, se sont accrochés en bas au réveil et ils ont amené le réveil, où dehors, il n'y avait rien du tout. J'aimerais te dire en ce moment, en Allemagne, en Suisse, en Europe, on voit rien ou presque rien de réveil. Est-ce que c'est juste? Il y a des disputes, capitalisme, occultisme, New Age, tout genre de choses.
Mais il y a des intercesseurs, leur foi profonde, leurs racines vont très profondément jusque dans le cœur de Dieu. Et là, ils tirent, ils aspirent, et ils vont être des réveils, de réveils pour les églises, pour le monde, parce que ça va venir. C'est pour ça que c'est si important d'être des intercessants qui ne sont pas émotionnels avec leurs émotions, qui prient que quand il pleut, mais des intercesseurs qui sont prêts à aller dans le désert, d'avoir des racines qui sont très profondes, où ils touchent le cœur de Dieu, le cœur du réveil, où ils le sentent. Ils ne regardent pas aux circonstances, mais ils regardent au cœur de Dieu. Et là, il y a le réveil dedans. Et ils aspirent le réveil en haut. Et ces petites gouttelettes de réveil ont la puissance d'amener le réveil dans tout un pays. J'aimerais un moment que tu te vois maintenant comme un arbre de prière qui est dans des tempêtes, dans le désert, qui est rejeté, qui est seul, où tu as l'impression que personne ne te comprend. Et Dieu dit, moi je le sais, j'ai autorisé cela parce que j'étais appelé à être un arbre de la justice, ma justice, où les racines vont très profondément en bas, dans ma présence, pour que tu sois comme un David qui tout d'un coup se lève et tout le pays, tout le peuple, tu peux crier, l'Éternel est mon berger, rien ne va m'arriver. Il m'envoie dans les... Dans le psaume 23, donc il est écrit dans la mort, dans le désert, en tant que ver. Ce psaume où des millions de personnes ont été bénies par ce psaume. J'aimerais te dire, est-ce que ce matin tu peux te voir comme un arbre planté là où tu habites, là où tu es maintenant. Tu n'as pas besoin d'être au milieu de la forêt. Peut-être que tu es en ce moment dans le désert, mais en tant qu'arbre, l'arbre de Dieu, l'arbre de la justice, en tant qu'intercesseur, et tes racines touchent déjà le réveil. Et les circonstances vont peut-être être terribles autour de toi, mais tu pries et tu attires le réveil. Et les gens te racontent des choses terribles, mais ça ne t'intéresse pas, parce que tu pries à chaque fois, tu tires l'onction du réveil, tu la sens, tu la vois en toi. Vois-toi ce matin comme tes racines deviennent très profondes, profondément jusqu'à l'eau. L'eau, c'est une image du Saint-Esprit. Très profondément. Vois-toi toi-même, tu vois ton appel. Ce matin, quand tu peux te voir en tant qu'arbre, qui a des racines, même quand il y a des temps de désert. Si ça, c'est plus important que le succès et la reconnaissance des gens, est-ce que tu peux ce matin, tu peux dire oui à cet appel? J'aimerais ce matin être une intercessrice, quelqu'un qui prie. J'aimerais être un arbre comme ça, qui protège la forêt.
Moi, je dis oui à cet appel. Je dis oui à des temps de désert. Je dis oui à des attaques démoniaques. Je dis oui au plan de Dieu. Tu as le droit de te battre, de discuter avec Dieu. Tu as le droit. Mais après, il y a un moment de décision où tu dois te dire, oui Seigneur, j'accepte cela sans condition. J'accepte quand les gens vont me rejeter parce que je suis dans le désert, parce que je suis seul, parce que je n'ai pas de succès. J'accepte cela. Parce que je veux avoir des racines très profondes. Je veux avoir le cœur prophétique de Dieu. Je vais m'accrocher à cela. Si tu es là ce matin et tu voudrais avoir cela, dans tout au fond de ton cœur, il y a un oui sans condition. Alors j'aimerais que tu viennes devant ici. J'aimerais qu'on fasse une promesse à Dieu. Mais ne viens que devant si c'est tout au fond de ton cœur, tu as un oui. Ne viens pas pour être béni. Mais viens avec un oui pour donner une promesse à Dieu pour cet appel. Je sens ce matin, c'est comme si Dieu me montrait, c'est un Dieu, c'est un moment saint maintenant, où l'appel de Dieu est tout près maintenant, où l'appel de Dieu est là maintenant. Où ce matin, Dieu touche tes racines. Et il dit, elles sont tellement importantes parce qu'il y a des tempêtes qui vont venir sur la terre. Il y a des tempêtes qui vont venir, des agressions, des attaques vont venir. Et tu vas voir comme beaucoup de forêts vont tomber, où des églises entières vont se dissoudre et il n'y aura plus rien. Alors ces intercesseurs vont tirer le réveil. Ils vont avoir cette onction du réveil, ils vont la tirer. Ça va être un temps tout nouveau. Et Dieu va utiliser ces arbres. Il va devenir des prophètes de Dieu dans le monde invisible. Et l'ennemi va les voir, va les reconnaître, et il va avoir du respect. Parce qu'ils savent, ça c'est des battants pour Dieu. Je vois maintenant une image où ce matin, dans le monde invisible, il y a une grande carafe d'huile. Je vois comme Dieu dit, j'aimerais te oindre de façon nouvelle ce matin, en tant que intercesseur prophétique, en tant qu'intercesseur prophétine. Ça vient. Viens, ça te touche. Cette huile coule. L'huile de Dieu coule au-dessus de ta tête jusqu'aux pieds. Ça vient maintenant. C'est comme Dieu ce matin voudrait toucher ton cœur ce matin. Il y a quelque chose qui change dans ton cœur ce matin. Je vois comme le Seigneur vient et il voudrait sortir des flèches de ton enfant, de l'accusation qui était en toi, qui font encore mal aujourd'hui. Je vois. J'enlève ces flèches de ton cœur maintenant. Il y a quelque chose qui se passe en toi maintenant. Ce prophétique va devenir visible, dit Dieu. Ce que tu pensais, ce que tu sentais, Dieu, tu vas le voir, dit le Seigneur.
dans Jean, ces versets, ce qu'on a vu, ce qu'on a touché avec nos yeux. Et le Seigneur dit, ce temps va venir, tu vas toucher avec tes mains ce que tu penses, ce que tu sens, et tu vas pouvoir le toucher. Merci Seigneur que ce matin, que tu touches des générations. Tu vas toucher de jeunes générations. Tu vas être un modèle pour d'autres jeunes. Tu vas les appeler dans la prière. Et ils attendent. Ils t'attendent, toi. Mais ils t'attendent, eux. Ils attendent des prières prophétiques, des intercesseurs prophétiques. Tu as déjà vécu beaucoup de temps de désert, mais ce matin, cette carafe d'huile est là pour toi, où ton cœur aussi va être guéri. Souvent, c'était tellement brisé et Dieu l'a toujours recollé. Et ce matin, il laisse couler de l'huile sur ton cœur. Et Dieu dit, tu n'es pas seul. Parce que quand tu vas dans la prière, tout de suite, des anges qui sont libérés sont là et ils attendent. C'est comme tes serviteurs, les anges qui disent, si tu nous donnes des ordres, quand tu pries, alors on y va, on est prêt. On est appelé, on a été appelé pour ta vie, pour ton ministère. Merci Seigneur qu'il existe des arbres, qu'il va y avoir des arbres. Père, j'aimerais que tu ouvres ses yeux, que parfois elle puisse regarder très loin, qu'elle puisse regarder dans le ciel où les gens ne voient pas, elle va pouvoir voir, elle va voir des choses, que sa foi devienne de plus en plus grande. Longtemps, tu as dû regarder à tes échecs, mais Dieu dit, le temps va venir de plus en plus, tu vas regarder dans le ciel. Comme Jean a regardé dans le ciel et il a vu où Jésus était assis à la droite de Dieu. Merci Seigneur que tu touches ces arbres maintenant. Ça s'enlève de toi. La poussière de l'accusation s'en va ce matin. Cette huile, elle guérit. Elle guérit. Et l'accusation qui a amené tellement de morts, le Seigneur dit, cette poussière d'accusation s'en va, mais l'onction, cette huile de guérison vient maintenant. Ce sentiment d'être traité injustement, c'est terrible, mais je veux aussi te montrer ce sentiment de justice, pas seulement de croire, mais de sentir d'être aimé et justifié. Merci Seigneur que ce que tu as appelé, qu'on va le récolter en dernier, que ça va être une grande récolte, une grande récolte. Le Seigneur dit, tu te vois souvent trop petit, tu te vois tout petit, apprends à te voir avec les yeux de Dieu et je vais remplir tes mains, remplir avec de la bénédiction. Et tes mains doivent grandir. Il faut que tu te vois grande. Certains ont essayé de dire, il faut que tu croies de façon petite. Ils ont fait que tu es petit. Dieu a une autre vue sur toi. Il te voit et il te veut très grand. Dieu dit, Abraham, tu vas être une bénédiction pour des milliers et des milliers de personnes. Dieu a fait Abraham grand et tu vas avoir des successeurs autant que le sable sur la plage. On a aussi, il n'a pas fait Abraham petit, tu es un pécheur, il avait assez de foi. Mais Dieu a fait Abraham très très grand. Il l'a fait très grand. Il l'a fait très grand. Merci Seigneur que tu es là ce matin, que tu touches ses yeux,
qu'elle voie les grandes choses que tu as prévues, qu'elle puisse les voir. Père, elle a tellement... Elle priait pour des petites choses. Touche ses yeux, qu'elle puisse prier pour une grande récolte, pour que tout revienne de nouveau. Ton regard, pas le regard des humains, ton regard, Seigneur. Jésus, sois ma vie.
Thank you.
Seigneur, nous les corps.
Oh.
Thank you.